Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU yang berbahagia, dimanapun Anda berada, bertemu bersama kami di dalam acara Islam Berkemajuan. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Ibrahim Hasan Frede dari Afrika Tengah. Beliau berkesempatan hadir dalam acara World Peace Forum yang kelima yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah bekerjasama dengan CDCC dan Cengho Multicultural Trust in Education. Dan adalah sebuah kehormatan bagi kita karena Mas Ibrahim Hasan jauh-jauh dari Afrika Tengah berkesempatan hadir Jakarta, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan beliau tentang perkembangan Islam di Afrika Tengah yang sejak Desember tahun lalu itu dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena terlibat dalam konflik agama antara Islam dan Kristen di sana. Kita langsung sapa bersama dengan Ismail Ibrahim Hasan Frede. Assalamualaikum, Masyu. Waalaikumsalam. Comment allez-vous? Ça va très bien, alhamdulillah. Ça va très bien. Et comment va votre famille en Afrique du Centre? Ma famille, pour l'instant, ils vont bien. Mais seulement, ils ne sont pas avec moi, parce qu'on s'est séparés depuis le 5 décembre. On a entendu parler qu'en Afrique du Centre, comment se passe maintenant le conflit interreligieux entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Oui, Qu'est-ce qui se passe en fait là-bas? Ce qui s'est passé en République centrafricaine, c'est un peu compliqué. Parce que les deux communautés, musulmans et chrétiens, vivaient dans ce pays depuis avant l'indépendance. Ils sont en parfaite, ils vivent en parfaite symbiose. Jusqu'à ce que, au mois de décembre 2012, entre-temps, c'était le président Bozizé qui était au pouvoir. Et il y a un groupe rebelle qui a été formé dans le nord de la Centrafrique. Et ce groupe s'appelle la Seleka. La Seleka, c'est le groupe armé. Le groupe armé rebelle. Seleka, ça veut dire union. Ah, d'accord. C'est quatre groupes rebelles différents qui se sont unis pour venir déstabiliser le régime du président François Bozizé. Comment ils font la rébellion? C'est contre l'État ou contre... Oui, la rébellion c'était contre l'État. C'est pour renverser le président François Bozizé. Et comme dans cette rébellion, il y a au moins les chefs rebelles sont des musulmans. Donc, il y a dans ce groupe de rebelles, il y a au moins 60% des musulmans et 40% des chrétiens. Ah, d'accord. Ils se sont mélangés, mais beaucoup plus sont des musulmans. Alors, ils sont venus jusqu'à arriver à Bangui, où ils ont renversé le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir, mais ils n'ont pas pu saisir le pouvoir. Alors, la communauté chrétienne commence à pas beaucoup parler pour dire que les musulmans sont venus prendre notre pays. Ah, d'accord. Pourriez-vous nous donner le portrait de paix selon le partage religieux? Yes. Combien de pourcentage la communauté musulmane, la communauté chrétienne ou catholique là-bas? Oui, là-bas, en République centrafricaine, la communauté musulmane ne représente que 20%. 20% la communauté musulmane. Et nous avons les catholiques qui représentent en moyenne 37% les catholiques. Et le christianisme qui représente le reste.